Une image dont s'est notamment joué Charlie Hebdo, qui il y a peu a caricaturé la veuve du roquet en mante religieuse. Là de voir Laetitia Hallyday dans la tourmente, Jean-Claude Camus a décidé d'intervenir. L'ancien producteur du roquet et ami de longue date du couple a notamment affirmé dimanche au micro de RTL Belgique que Johnny Hallyday n'avait nullement été manipulé et qu'il avait décidé seul de léguer tout son argent à sa femme. Invité du 19h de Rutel Krief sur BFM TV, ce lundi 26 février, Jean-Claude Camus a une nouvelle fois mis les points sur les i, et fait de nombreuses révélations sur les derniers jours du chanteur, sur ses funérailles, et sur la bataille que se livre depuis le clan. We'll be right back.